comme qu'il dirait un léger souci à ma gauche. Juste les quatre. Un, deux, et un, deux, trois, quatre. En somme, il faut, sur cette partie du thème et sur cette partie du fond, il faut entendre les basses. C'est mortel. C'est une mortelle. Il s'appelle Ludovic Roux. Elle a une puissance, elle a une qualité de timbre, c'est extraordinaire, vraiment. Alors évidemment, il y a aussi un certain nombre de choses qui fait que je m'en doute. D'abord, le manche est un peu plus gros que d'habitude, donc pour moi c'est une galère. Pour moi aussi. C'est une galère pour tout le monde, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle, à mon avis, elle est très sonore. Je ne suis pas sûr qu'elle soit armée, ce qui m'étonne beaucoup. Il a dû peut-être mettre une barre à la manière de Selmer. Ça, par contre, c'est faut qu'il améliore. Le talon. Le talon, là, ça ne doit pas exister, ça. Mais bon, c'est normal au début. Le son, c'est une tuerie absolue. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner sur le temps? Sur le temps, hein. C'est une cathédrale. Elle a des aigus, elle a des basses, elle a des... Ouais, elle a tout. Pourtant, la puissance dans l'aigu. Elle a une compression.